incroyable allemande de Jean-Michel Larquet que nous découvrons et qui se présente dans la formation indiquée. Oui, la formation indiquée. Une date importante dans l'histoire du football belge, car si dites et les Allemands sont habitués à ce genre de saprette à donner le coup d'envoi. Voilà, c'est parti de cette guérette. Hansi Müller tire. Oh, jolie parade de Pape, très bon tir de Hansi Müller. 8, alors que les Allemands ici veulent prendre les Belges à leur propre piège en jouant leur jeu, mais comme tout à l'heure, Kalov, Schuster toujours. Attention, c'est dangereux, tir et but de Roubaix. Révélation action belge, allemande plus exactement, et très joli but. Forster, faute de Meus. Chez Alof et Rummenig, il a levé le ballon pour Klaus Retzla en position d'ailier. Centre de l'arrière droit du Standard et coup de tête de Forster. Avec une petite faute de Kuhlmann. Cool. Bonne sortie de Jean-Marie Pfaff devant Roubaix. Coup de sifflet de M. Rainea. Rankin pour la tête de Roubaix. Et sortie de Pfaff et faute de Roubaix ici. Tir à Rapter de Meuf, mais à côté du but de Roubaix. Ah, bien joué pour Hansi Müller. Aïe, 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 quelle belle action. Dommage qu'Hansi Müller ait raté son tir. Ah, et pas à jeu. Si au départ du ballon, l'arbitre avait... Schuster, tir. Oh, tir contré. Et repris du bout des doigts par Pfaff. Oui, Schuster qui fait semblant de donner... Cool. Et reprise acrobatique de Kuhlmann. Alof. Oh, belle action de Klaus Alof, le meilleur. Ah, pour Kuhlmann, s'il arrive à temps. Non, c'est Schumacher qui a été le premier sur. Oh, une. Pour Luc Milcan. Encore lui, là, en possession du ballon. Tire. Oh là là, pas loin de la lucarne. Tire de 25 mètres. Qui se gêne un petit peu avec Roubaix. Roubaix qui pivote sur lui-même. Et Rummenig, non, pas hors jeu. Et manque son tir, c'était trop beau pour être vrai. Oui, Rummenig quitte. Rummenig, ah, coup de sifflet de Monsieur Rainea. Alors qu'il y a deux Belges au sol. Rankin. Ah, ouh là là, il a dû se faire mal, il est mal tombé. Mais Van der Ecken avait l'avantage sur cette action et je crois que Brieghel s'est emmêlé un petit peu. Alors que l'on voit ici Kuhlmann, je crois qu'il vaudrait mieux qu'il sorte en effet parce que, vous voyez, il meurt. Moment, Rankin, tire en pivot et coup de sifflet de Monsieur Rainea pour un coup franc. Ah ça c'est une belle santé, à n'en pas douter. Et faute là de Kult sur Brieghel. Hansi Müller du pied gauche et coup de tête de Roubaix sur le jeu. Oui, le juge de. Ah, Rummenig. Oui. Oui, par contre, sur ce sens, il me semble que. Tire Guéret. À côté, à Rapter. Van der Elst. Tire de Meux. À côté. Frappe oui. Instantanée. Hors jeu. Van der Ecken, pied gauche. Oh, bien joué. Et bah, carrément au deuxième poteau, Milcan, oui, une faute. Dégagement du coin de Schumacher. Moment sans lobe, mais au-dessus. Oui, c'était bien tenté. L'arbitre fait signe de continuer à jouer. Tir de Schuster à côté. Oui, et dans les 30... Ah, il aurait dû tenter sa chance tout seul, cool. La balle qui parvient à François Van der Elst. Penalty. Pénalty. Oui, oui, oui. Ah. On revoit cette action et c'est depuis un moment devant les buts allemands. De la foule, Van der Ecken. Et but. Un but partout. Tout est à refaire. Je vous disais à l'instant qu'il fallait un but.
sortie de face. Tête de Roubaix et bon arrêt de Pfaff qui aurait pu être pour Guéret. Contre-favorable, tir de Kuhlmann. Et une défense qui... Rummenigge, remise à une faute sur Andy Müller. Et l'arbitre estime qu'il n'y a pas faute. Moment. Tir du gauche. Pas loin. Et il a fallu là encore que Schuster, bon ballon. Et corner de Pfaff. Tiré par Rummenigge. Oh, but de Roubaix. Oh, le coup dur pour les Belges à 2 minutes de la fin. Corner de l'affaire, car sinon on aurait longtemps parlé de ce pénalty qui n'en était pas un. La 48e minute de cette deuxième mi-temps. C'est-à-dire que, voilà, Monsieur Rey, c'est de la princesse Paola. Roubaix doit être content pour son ex-compagnon de club, puisque Keegan est maintenant à Southampton. Tout à fait, car Keegan, Henri Delaunay, qui porte le nom d'un homme qui fut un grand dirigeant du football français. Maintenant, de Monsieur Francky, président de l'UEFA, la Coupe d'Europe des Nations, une épreuve que les Allemands avaient déjà gagnée en 60, et tous les autres. Klaus Allofs, une équipe allemande sortie en cours de match face à son tour à Kuhlmann qui lui a succédé sur la pelouse. Une équipe belge qui a justifié tout le bien que l'on pensait d'elle et qui a prouvé sur ses 90 minutes que sa place en finale n'était nullement usurpée. Une équipe club prouve toute sa puissance et en 82, soyons sûrs que les Allemands seront encore présents en Coupe du Monde. On part 2-1. 2 buts de Horst Rubens, l'avant-centre de Hambourg.